Et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Chers parents, chers frères, chrétiens, mes frères en Christ, nous voici réunis à nouveau autour de notre papa Asophon, le serviteur de Dieu. Nous allons demander à présent à Dieu de lui pardonner et de lui donner le repos éternel. En ce moment, nous allons bénir le corps du papa Asophon pour lui rappeler le jour de ton baptême. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers parents, à présent, si vous avez des discours à prononcer, c'est l'heure de les prononcer. Chers parents, chers amis, chers invités, chers enfants, bonjour. Vous savez tous ce qui nous a réunis ici ce jour. Ce n'est rien d'autre que la disparition tragique parmi nous de notre cher regretté papa. Sans plus tarder, nous allons évoluer dans le programme du déroulement de ces obstacles. Donc nous comptons Minayolo, Peido, Fileton, Fodako, Kodo, Vikodioko, Beido, Fodeo, et Nadalo, Tchèque. Miku abo, miku da for donu me. Oye gege. Oku umie. Nous te félicitons. Après toute réflexion, c'est notre papa que tu as jugé utile éliminé. Tu n'auras jamais la paix dans ta vie. Tu seras toujours misérable. Papa, c'est toi qui nous supportes dans nos erreurs, dans nos désordres. De ton vivant, c'est toi qui supportes nos enfants et nos épouses. Où est le convivito, le quasivito, le corumi? Maintenant que tu n'es plus qu'à nous faire. Voilà que nous n'avons appris aucun métier et n'exerçons aucune profession. Donne-moi le courage et le moyen de supporter mes 51 jeunes frères. Papa, Kaflia,
Après, Papa, tu as né vers 1906 au village de Rangladou. Tu as commencé la première année en 1917 au village de Yansata, à l'école privée catholique. Au temps du curé Diego, tu as eu ton CPL à l'âge de 29 ans. Tu as fait l'armée française à Hong Kong pendant 15 ans. Et tu as été soupçonné d'adultère à cause de la femme de ton patron. Et tu as perdu ton travail. Tu as été chef de gare à l'OCDN de Wawesusosa. J'ai aussi travaillé à Sobrado. Et à cause d'une bouteille de bière, j'ai été renvoyé. Très cher père, très cher frère, vous nous avez quittés prématurément. À qui tu nous as confié? À qui tu nous as laissé avant de partir? Ce n'est pas sérieux de ta part. On a quitté nos maris pour venir vivre avec toi. Et voilà, tu es parti. Tu es mort. Ce n'est pas bon. On n'a pas beaucoup de choses à te dire. De grâce, veille si tu as 52 enfants. Et si je pas que ça rejoint le problème. Le problème qui oppose Parakouton et Agbometo. Il y a de cela quelques jours. Moins un, il allait te rejoindre d'une bagarre. Toi-même tu sais que notre aîné, notre grand frère est un drogué. Et tu n'as pas résolu le problème de ta pension, de celui qui va prendre ta pension. Papa, c'est de trouver la solution à ce problème avant que nous t'enterrons. Pour finir, je pense que la mort n'a encore rien fait. Et qu'elle a encore beaucoup à faire. Papa, je t'aime bien. Dors bien, que la tête soit légère. Discours, enfant adoptif, le temps, c'est-à-dire, Beïda est ton vieil, et pas avoir d'assoudre, mais la fois, ça prend un caca, ou à coup de doué. Mais aussi, finalement, mais la face s'en fout aussi dans le village. Pays de l'étang, et dans le coup de renard, rien de menacé. Attends, si vous avez un peu de bêtises, mais vous avez un peu de bêtises. 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 Vous avez un peu de bê
Ah, sans fond.